Bonsoir à tous. Vous allez assister au conseil qui a pour but de juger la semaine de solo queue de vos animateurs préférés. Après avoir débriefé la semaine passée, ils se verront attribuer un objectif commun à réaliser tous ensemble sous peine d'une sanction rude. Ils passeront ensuite, un à un, face au CPE pour assumer les conséquences de leurs actes en solo queue et se verront attribuer un objectif individuel à atteindre sous peine de sanction. En tant que viewer, vous jouez un rôle important dans cette émission. Il faudra vous assurer du suivi des différents objectifs et de veiller à capturer et remonter au CPE chaque glissade ou prouesse technique. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce conseil, le dernier conseil qui remonte maintenant à quelques jours, même qui remonte à tout simplement avant l'AGA. Un conseil un peu particulier aujourd'hui parce que ça va être le conseil récapitulatif du dernier mois qui... honnêtement, a été plutôt positif. La classe qui s'en est bien sortie. On le rappelle, lors du conseil précédent, leur objectif était un objectif par équipe. Solari et Lunari, qui devaient du coup arriver sur le jour 2 de la LAN, qui a été atteint. Et même, ils sont allés au-delà. Parce que Royals, vous avez fait top 5. Là où Lunari, vous avez fait combien? Vous avez fait top 11, vous? Ouais, ils ont fait top 11. Ouais, top 11. Alors déjà, ils n'ont pas fait top 5, ils ont fait top 5-8. Oh mais théoriquement, vu qu'on est premier du jour d'avance, ça marche comme ça. Bah si, techniquement si. Normalement, attends, vous avez perdu contre qui? Trebouria. Et ils ont fini combien? Vive. Non, c'est Historia. Non, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné. Non, non, je crois pas, ils n'ont pas été en finale. Ils ont battu ceux qui ont gagné. On est 5. Non, ça marche pas comme ça. De toute façon, c'est top 5-8. C'est top 5 parce qu'on était premier le jour d'avance. Dans ce cas-là, c'est 11-12, vous. Non, eux c'est bien, c'est 11. Ouais. Et parce qu'on a perdu et c'est parce que bah eux ils ont le droit, ils ont pour des raisons mystiques, ils ont eu le droit à un loser bracket. Oui, nous voilà. La chance. On a dû rentrer à tour. Après c'était le format open tour, c'est normal. Vous avez raté une soirée. Ma. Il y avait ce match. Et moi je suis tout seul dans mon coin là. Ouais. T'inquiète pas Wax, tu sais pourquoi t'es tout seul dans ton coin? Parce que t'es AD. Pas sympa. Et qu'AD c'est un rôle de. Kata il est. Ouais, ils sont deux en bot. Donc un mois qui était plutôt positif pour la classe. Vous une avez question. Également une bonne semaine. Oui, Catharine. Est-ce que le fait que le mois était plutôt positif aurait une corrélation avec le renvoi d'un certain élève de la classe? Vous en pensez quoi? Ah oui, c'est vrai, le Desco. Il y a deux qui sont tout à l'heure d'ailleurs, je l'ai vu, il quittait. Oui, non, mais il y en a un qui compte et l'autre qui est renvoyé. Quoi. Oui, il y en a un qui est renvoyé littéralement, c'est un corps qui ne fait plus partie de la classe. Il s'est fait virer de l'école. Depuis plusieurs semaines maintenant. En effet, Shark, tu viens de le préciser, Shark qui n'est pas là aujourd'hui, parce que Shark est toujours malade. Il est en phase de rétablissement. Ça va petit à petit mieux. Non, mais globalement, un mois qui s'est plutôt bien passé, notamment parce qu'une partie des élèves problématiques ont commencé à travailler sur, on va dire, leur problématique et leur rigueur pour certains. On va pouvoir commencer ce conseil. On va commencer par tout simplement le haut du panier. On va commencer avec le meilleur élève du mois, qui n'est pas Thio. Qui n'est pas Thio ce mois-ci, étonnamment, parce que Thio s'est bien foutu de ma gueule sur la première semaine de ce mois, en ayant absolument rien fait. Je sais pas si t'en souviens. C'était le mois où tu devais tryhard sur ton main. Ouais, j'ai fait une game, je crois. Et t'as fait une game sur ton main et genre 120 sur le smurf. Mais c'était quand même un bon mois, Théo. Mais pour ce mois, le meilleur élève de la classe, c'est en effet pas Narcus, c'est bel et bien Qatar. Narcus, premier degré, il me regarde, il me dit « C'est moi ?» C'est moi, en mode full d'élu. À deux doigts. Évidemment que ce n'était pas Narcus. Enfin, bravo, bonjour Qatar. Bonjour. Très bon mois. Très bonne semaine. Est-ce qu'on peut faire un drip shake de Qatar? Parce que drip shake de Qatar, allez. Cette semaine, il est de plus en plus. Fais-nous un petit défilé là, vas-y, monte-nous ton petit cul. C'est la classe qui demande. Non, mais lève-toi. Oh, respecte l'audience un petit peu. Ouais, j'avoue. Fais un petit défilé là. Bah, si, bah, prends tes chaussures. Non, mais là, frère. Bon, après, là, c'est peut-être un peu trop. Qatar a le souci du tête. Donc, Qatar veut prendre ses chaussures. On rappelle, hein, Qatar. Petit drip shake de Narcus. Non, là, je suis en mode pas ouf. Comme Qatar. Non, c'est C'est un peu le même, c'est le même style, mais... Ouais, c'est le même style. Tu sais que je suis allé à... Plus en jogging, lui, tu vois. Je l'ai acheté à Célio. Ma femme, elle m'a fait, mais tu vas jamais porter ça. Et tu le portes tout le temps. Et en fait, j'étais en mode, si, j'essaye de m'inspirer de Qatar. Oh, ma petite Stan Smith, on peut avoir peut-être le magasin auquel tu as acheté ton petit pantalon, là? C'est bien, t'es beau gosse. Il a pas envie de donner la marque. Ah, le relou. Attends, mais moi, j'ai une question. Pourquoi tu te fais vraiment si beau? C'est pour le CPE. C'est pour le CPE. C'est pour le CPE. Il y a une histoire, en fait.
Ah, t'es beau gosse, c'est juste dommage que t'aies la dégaine à la fiddlestick, mais en vrai, sinon c'est bien. Et la moustache, c'est voulu. Donc tu attaques sur le physique comme ça. La moustache, là. Non, Qatar, c'est un quiz. Non, mais il y a un point important, c'est que là, tu t'es rasé partout sauf la moustache. Ouais, ça lui va bien, moi. Ouais, c'est la totale. Moi, j'ai vérifié, c'est la totale. J'ai pas de poils. On a pas tout vu, on a pas tout vu après. Si, si, si. Pourquoi c'est Qatar, la petite moustache? Non, c'est ça, pas. Quoi? Je teste, je teste. Moi, je trouve que ça va. Italien du Sud, tu vois. T'as la caméra là? Je suis italien du Sud. Vas-y, ouvre un peu la caméra. Les boutons de chemise. Elle est où? Non, là, ok. Moi, je trouve vraiment que ça te va bien, genre, premier degré. Tu te mens, hein. Non, en vrai, ça va. Moi, je trouve que ça fait un peu. Gars qui fait fou. En vrai, je vais pas vous mentir. Hein. Je m'en fous un peu. Fais une tête de psychopathe à la caméra. Allez, laissez Qatar un peu tranquille. Fais une tête de psychopathe, juste pour. Non, je pense qu'on devrait voter à bras levés. Go voter à bras levés, non. Laissez Qatar tranquille, oui. Il a fait un bon mois, il a le droit d'être un peu. Bon travail, Qatar. Non, mais en vrai, je teste des trucs, c'est la vie. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ils sont chelous dans ce classement. Ouais, ils sont bizarres. Surtout, c'est Narcus qui parle le plus. Attendez, il troll. Et Oda a encore le bracelet de la GA. Ouais, moi je me disais, je demandais à ma collègue pourquoi ils avaient fait le bracelet, les mecs, c'est authentique. Mais ça fait 10 non, en mode, mais... en mode, ça me dérange pas et j'aurais même pas qu'à la que j'avais. Odin ne s'est pas lavé depuis une semaine. Je pense à l'enlever, je me dis en fait, il n'y a pas de ciseaux dans la maison, donc j'ai la flemme de couper au couteau et. Mais ça n'a aucun sens. Donc Odin graille sa main, littéralement ses doigts, la peau de sa main, et il ne peut pas grailler. Parce que, en gros, pour ceux qui se demandent, le. Là, tu pookies là, ça se voit. Non, c'est bon. En gros, le bracelet, en fait, pour l'enlever, il faut le couper, donc il peut très bien. Enfin, il s'est lavé depuis. C'est pas un bracelet que tu peux enlever et défaire, quoi. Ah, mais c'était ça l'odeur. Vous avez l'eau chaude? C'est bon. Oui, on a de l'eau chaude, ça fait très plaisir. Okay. C'est très belle invention, très content de le savoir. Moi, je suis heureux parce que, vu que je suis au fond de la classe avec mes petits camarades, parfois c'était pas facile. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. C'est pour ça que mon bureau est très loin de la classe, quoi. Bref, non, du coup, Qatar, très très bon mois. En réussite chaque semaine, en grande réussite chaque semaine, tu peux le voir. Ta note 20 sur 20. Aucune erreur, Qatar. 20 sur 20. Yes. Impressionnant. Tu as dépassé les attentes chaque semaine. Tu as fait une bonne GA. Non, c'est, vraiment, c'est même la meilleure note. Le conseil est très fier de toi. Très très fier de toi, Qatar. De combien de shows le premier mois? 19,5. 19 ou 19,5. Il y a fraude. Il est stuck en pisse-lo en plus. Combien d'élo? Il a 700 LP. Ok, bon, j'ai pas. 675. Et toi, t'en as 600. Ouais, t'es pas loin, ouais. Ouais, je suis pas loin. Tu avais eu 19. T'avais 19. Ha. Il y a fraude un peu, mais c'est pas grave. Moi, j'arrive à l'heure en cours. Ouais, que, au moins, Monsieur Qatar met des chemises, donc. Je prends exemple sur mon CPE. C'est vrai. Non, il y a un effort vestimentaire, du coup. Il y a eu des mimes au fond de la glace que je ne referai pas. Du coup, Qatar, alors pour ce conseil, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Pour ce conseil, vous avez déjà une étape Open Tour la semaine prochaine. Le week-end prochain, vous avez une étape Open Tour. Il faut s'inscrire avant, dans deux jours, je crois que c'est les dates d'inscription. Ouais, donc pensez à vous inscrire. Putain, nous, je ne sais pas qui on va mettre dans l'équipe. Hein. Après, tu peux mettre des remplaçants, non? Ah, j'avoue. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, nous, parce que Qatar, il est pas là. Il va nous falloir un top. Le premier jour. Royal, c'est parce que Qatar. Mais je suis là le deuxième jour. Qatar, il est pas là. Non, il est pas là. Non, je suis pas là le samedi. Bah, du coup, il nous faut. Quoi, pour l'Open Tour? Bah, pour l'Open Tour, c'est quoi le rapport? Bah, c'est samedi, dimanche. Je suis pas là samedi. C'est week-end prochain. Pas celui-là, mais celui d'après. Moi, j'ai une petite chip si jamais. FF. Je crois que je connais un mec qui s'appelle SlyLRB. Non, ouais, c'est mort. Il faut qu'on trouve un top fast en plus pour. Les gars, LRB il est chaud. Hein. On l'a viré de la classe, mais en vrai, s'il fait un peu d'effort, il est chaud. Je vous conseille. On verra. Au pire, on volera votre top laner, Lunai. Non. On va aller chercher un mec. De toute façon, Lunai, il faut pas le voir. Qatar. Vous avez des points d'Open Tour? C'est chaud, hein. C'est le meilleur joueur de votre équipe quand même. Oh, ton Kennen, putain. Aïe. Vous annoncez ça comme ça? Jim l'a dit tout à l'heure. Ça va être dur pour la classe. Attends, mais tu vas faire quoi? Et tu viens dimanche comme t'es là dimanche? Oui, mais si on est le mec qui fait l'Open Tour avec nous samedi et qu'on est deuxième jour, on va pas le virer pour prendre Qatar. Bah, normalement, si. Non, mais non, Qatar. Bah, si. Bah, on verra. Bon, on verra. Je pense qu'au pire, on prend le top et on remplace Qatar, mais définitivement. Non, mais on verra, Qatar. Je pense qu'on fait ça. On vire Qatar définitivement. Bon, t'es en vacances, t'inquiète. Ok. Attends, mais il va en vacances? En vacances. Mais il est tout le temps en vacances, c'est un truc de ouf. C'est moi qui gère les congés, il est tout le temps en vacances. Attends, donc là, un gars qui est tout le temps en vacances, 20 sur 20. Ok, d'accord. Bah, ouais, je fais mes devoirs et je vais. Enfin, imagine, j'ai des jours de vacances. Sans dire sur mes devoirs. Ouais. Je sais. Hein. Allez. Ouais, il va. Bref. très bon mois. 20 sur 20. Donc, non, je disais, ouais, du coup, vous allez avoir une semaine un peu plus longue que d'habitude. Parce que sinon, c'est les notes de la classe. C'est les notes de la classe, ouais. Oui. Les notes sont pour certains un peu complexes.
Donc voilà, au lieu d'avoir deux petites semaines, parce que là, du coup, vu qu'on fait le conseil le mercredi, au lieu d'avoir deux semaines de quatre jours à peine, vous n'aurez pas le temps de faire grand-chose, ça va être une grosse semaine jusque, du coup, l'étape Open Tour. Et du coup, il y aura le conseil le lundi, juste après le week-end de l'Open Tour. Donc en gros, vous allez avoir une semaine de 8 jours au lieu de 7. Okay. Parce que ça combine le fait qu'on commence le mercredi et qu'il y ait l'Open Tour. Pour toi, Qatar, du coup, tu seras en vacances. Donc toi, tu n'auras qu'une petite semaine. Jusque, moi, ça me va de faire des trucs là jusqu'à, ouais, jusqu'à, tu pars, jusqu'à dimanche. Tu pars dimanche, il me semble. Ouais. Ça. Tu pars dimanche. Alors qu'est-ce que tu veux faire jusqu'à dimanche? Ça te fait. Alors j'ai des idées. Ça te fait jeudi, vendredi, que je peux proposer à l'équipe. Je traîne GP en ce moment. Ça fait buff et je pense que c'est très fort. Ok. Et Swain, j'ai testé et je pense que c'est très fort. Oui, mais ça nous sert à quoi? Parce qu'il est pas là, là ce week-end. Ah, après, il revient un jour. Je suis là dimanche. Et après, je quitte pas l'équipe. Il fait quand même partie de ton équipe. Non, il quittera pas l'équipe. Il quittera. T'inquiète. Oui, il quittera pas l'équipe. Traîne un peu ce que tu veux. GP, oui, c'est bien. Non, mais en vrai, vous en pensez. Swain, je pense que c'est pas incroyable. Plus sérieusement. GP, apparemment, ouais, ça va être vraiment fort. GP, apparemment, Swain, apparemment, c'est pas incroyable. Est-ce que c'est un bon. Qui t'a dit ça? Bah, je l'ai vu en game. J'ai joué. Ça fait combien de games? J'ai joué cet après-midi. De toute façon, si tu veux savoir si GP ça va être fort, tu regardes le profil. Tu regardes le profil d'ACD. Si ACD ils stompent les games, c'est que c'est fort. Tu vois. Okay. Mais le buff de GP est super fort. Les GP, ouais, ça a l'air un buff non mérité. Ouais, moi GP Swain, ça me va. De toute façon, Swain, teste-le et tu verras bien ce que ça vaut. Hein. J'ai fait une game, je pense que c'était bien. Mais... teste-le, tu verras. De toute façon, tu verras vite si c'est pas ouf ou pas. En 4 jours, tu fais quoi? Tu fais 10-10? 10 GP, 10 Swain? 8-8. 12-8? 20 games, faut que je les pique déjà, tu vois. Bon, ça va, je pense pas que. Bon, GP peut-être un GP, peu. Si GP c'est fort, ouais, mais Swain, je pense pas que ce soit très contesté. Je peux essayer, si, je peux essayer. 10-10. Allez, on part sur 10-10, Qatar. Ça sera tes objectifs. T'as que 4 jours, donc c'est un objectif assez soft. Après, voilà, vu que t'as été très bon élève, y'a aucun souci. Donc voilà, très bien, merci Qatar. T'auras ton cadre dans l'arène pour un mois. C'est vrai ça. Comme les vidéos, et tu as ton fauteuil d'élève de la classe. Bah oui, c'est meilleur élève. Et oui, meilleur élève, mec. Meilleur élève. Et attends de voir ce qui attend les plus mauvais élèves. Second élève de la classe ce mois-ci, Théo. Quand même. Voilà, bien sûr. Tiens, ça veut dire que je suis troisième. Quand même, avec une moyenne à la baisse. Une moyenne à la baisse quand même par rapport au mois précédent. 16 sur 20, Théo. J'ai 16 et 4 à 20. Eh oui. Non, il y a fraude. Eh oui, non, il y a fraude. Là, Théo, même si tu as fait de très bonnes performances sur les semaines suivantes, malheureusement, tu as été tout juste moyen aux exposés. Et tu as complètement raté ta première semaine. Attends, mon exposé était incroyable. Tu n'as rien foutu. Odin, notre exposé, c'était le meilleur de tous, on est d'accord? Ouais. C'était quoi déjà votre exposé? Les réseaux sociaux. Ah oui, l'électricité sur les réseaux sociaux. L'électricité sur LOL. Ouais. On avait Switch. Je pense qu'on a beaucoup appris à beaucoup de monde ce jour-là, mais bon, je laisse le public décider. Hein. Non, ouais, mais moi, c'est surtout une problématique avec la première semaine. Alors toi Théo, du coup t'as quand même fait, voilà, t'as eu une GA un peu en dents de scie, hein. J'ai regardé tes games, d'habitude tu es vraiment la lance entre guillemets du Lunari, ouais, le mec qui fait la différence, et là je te sentais un petit peu endormi sur cette GA, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est passé que les soirées ont été un peu difficiles et on a pas mal bu quoi, du coup vu que ça commençait tôt c'était pas toujours facile. Ouais. Mais non c'est vrai que j'ai pas fait des très bonnes games sur un jour mais c'était ok quand même quoi. Okay. J'ai du mal à rester concentré avec ce qui se passe au fond de la glace. Alors, Théo, du coup, toi, donc prochaine étape Open Tour qui arrive le week-end prochain. Ouais, mais alors, on a une équipe nous pour l'Open Tour. Bah, vous aurez, il y a Shark qui sera de retour du coup d'ici là, parce que normalement il revient fin de t'inquiète. Semaine. Je connais que des cracks et tout. Ouais. Tout va bien se passer. Ouais, tout va bien se passer. Dans tous les cas, vous avez du coup Narcus, Théo, Cobble, ça bouge pas. Shark sera là normalement. Cobble. Déménage, je crois qu'il a plus internet, donc si ça a bougé. Notre support, je crois qu'il a une rage de dents et il est pas en vie depuis une semaine. Et notre top, on a plus de top. Donc, il se passe des trucs de fou dans votre line-up. Mais t'as rien, en fait, tant qu'on a le cœur de l'équipe, c'est moi et Théo, ça va. Ouais. Après, ouais, on verra qui est dispo. Je crois que la team va être très vide, mais on va quand même essayer de faire. Après, de c'est dans deux jours qu'il faut s'inscrire, du coup, il faut qu'on trouve face. Mais... ouais, d'ailleurs, j'ai une petite question, vous avez pensé quoi un peu de votre équipe, du coup, à cet Open Tour là par rapport à la line-up habituelle? En vrai, c'était pas mal. Le jungle, pas ouf. Mais le reste c'était pas mal. Ouais. Okay. Bon, hors troll, en vrai de vrai, genre c'est trop intéressant de jouer avec des gens. Tu sais, genre nous quand on va en LAN, on est en mode allez, on va jouer, mais tu sais que tu vas pas gagner et si t'as une petite possibilité de troll ou tu trolls, tu vois. Et là, genre, le mental là, de genre, loser, quoi. Moi je sais que j'étais en mode vas-y, viens, je pique Vega et tout, je m'amuse. Et mais en même temps, nos deux pick-up étaient en mode. Le Vegar est interdit. Non, mais. Ça fait 3 open tour, on le dit, et 3 open tour, tu veux le pick. Quoi, les deux pick-up, ils étaient là en mode. Non, vas-y, on gagne, on joue pour gagner et tout. Et tu sais, t'as pas envie de les troll, tu vois.
Tu vois, autant Sakor me dit, Sakor me regarde dans les yeux, il me dit, en fait, Sakor, il me serait dit en mode, bon, je m'en bats les couilles. Ouais. Tu vois, et en fait, on est passé d'une équipe à, vas-y, on s'en bat les couilles, juste on joue, à, vas-y, viens, on gagne. Tu vois, typiquement, il fallait qu'on gagne tous nos games samedi pour jouer le dimanche. Moi, personnellement, je voulais rentrer chez moi. Et du coup, je m'en battais un peu les games. Et mes mates étaient là en mode, non, mais vas-y, on joue pour le top 11, pour le top 9 et tout, on va le chercher et tout. Et tu sais, bah, ça te motive et du coup, t'as envie de gagner, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, en vrai, le mec n'a plus aucune ambition, quoi. Il est vraiment, non, c'est pas une question c'est une nouvelle dynamique, ça te ouais, motive. Tu vois, genre, en vrai, quand on joue avec l'équipe Lunari normale, on sait qu'on peut pas faire top 1. Du coup, on est là en mode, bon, on essaye le max, mais tu perds une game, t'es là en mode, on s'en bat les couilles. Ouais, tu vois un peu. Tu vois, genre, on s'en bat littéralement. Non, là, c'était pareil au final. Hein. Non, là, on a tryhard. J'ai joué des picks que j'avais jamais joué. Mais justement, Narcus, first time Trundle, il est sur Probit d'avant les games, et il est en mode, ouais, c'est bon, les gars, je tryhard. Bah, il a un VS9 la game où il a joué Trundle, non? Il a fait genre 7-2-12. Il y a deux games, il y en a une où j'ai un VS9. Ah, il y a plusieurs games. C'était dur, mais. Ah, c'est game de Trundle et Volibear quand même, ça sentait que les persos étaient pas super maîtrisés, quoi. Mais ouais. Ok, mais donc plutôt même, tu vois, genre typiquement, on allait au bar le samedi et le dimanche et ils étaient là en mode, on joue demain, tu vois. Alors que Sakor, ils étaient là en mode, tu vois. Bon. Après, votre support le samedi soir, de mémoire, je suis sorti pour surveiller un petit peu sur tout le bug là. Pourquoi ? Votre support, il était bien. Hein. Ah oui, oui, non, mais. Arrête, notre équipe, voilà, était bien. Pas que dimanche, il est rentré à 5h du mat quand même. Ouais, dimanche, je jouais à 10h, il était dur. T'es sorti avec eux, Qatar ? Moi, j'ai surveillé lui là. Mais non, mais arrête de dire qu'il allait rentrer à 4h. C'est n'importe quoi. Il me surveillait, non, mais Qatar. Oui, je te surveillais quand je t'ai dit, viens, on rentre demain, on joue. Mais quoi ? T'avais pas l'air trop chaud de rentrer, tu vois. Mais c'est parce que c'était hyper sympa, c'était plaisant. Il est quand même arrivé à 9h59, voilà, on discutait avec les gens. Ouais, donc il te surveillait du coup. Bah non, il me surveillait pas. Lui, il voulait moi, que tu rentres très vite. J'étais le seul à la LAN et les amis venaient me voir tous les deux minutes en me disant bon, encore 5 minutes, tu perds un ban et après c'est la disqualification. Bah, nous, on attendait Amiral. Moi, j'étais là. WhatsApp. Bon, grouillez-vous le cul par contre. Bah, oui. Non, c'était moi qu'on attendait. Mais bien sûr, gros, tout le monde t'a attendu. On a attendu 30 minutes en bas. Ah, mais c'est parce que j'ai mis de la crème. Mais c'est hyper important la crème. Faut se tenir hydraté et tout. On allez. continue. Allez, revenons à nos moutons. C'est, non, mais c'est réel ça? Ouais, réel c'est très réel. Quoi? Non, attendez. On a tenu 30 minutes en bas, on était en mode on va être disqualifié. Amiral descend, il fait bon, désolé, je suis en retard, j'ai mis de la crème. Un petit moins 2 sur sa note peut-être pour ça? Ouais, je considère. Non, non, il n'a même pas dit. Non, pardon, il n'a pas dit désolé, je suis en retard, il n'a rien dit et c'est Qatar qui nous a dit qu'il avait mis de la crème. Parce que tu ne t'es pas excusé pour ton retard. Bon, ça va, les gars. Tu sais qu'il me l'a déjà fait. Un moment, on devait sortir en ville, on passe chez Sakor et genre on devait rejoindre des gens et Amiral était en mode ah bah non, faut que j'aille chez Sakor mettre de la crème. Il a demandé à Sakor s'il avait de la crème chez lui. Il a fini sa maison pour se mettre de la crème. Je pense que vous vous rendez pas compte, c'est hyper important la crème. Attends, pour mais se qu'est-ce tenir que t'appelles crème? Bah, de la petite crème d'hiver quoi. Ah ok, que okay tu t'étales sur le visage. Pour bébé là. Ok, ok, j'avais peur. La première fois qu'elle arrive à la maison, elle est faite au bout de deux jours. Excuse-moi, attends, t'as pas de la crème pour le visage? C'est une vraie anecdote. Attends, mais moi je lui dis, bah j'ai de la crème, mais qu'est-ce que t'appelles de la crème? Il me dit, bah j'ai pas de la petite crème hydratante et tout. Moi je lui dis, non, j'ai de la crème, j'ai des masques à la limite, mais de la crème, non. J'ai de la crème au tirage. Y'a que moi qui mets de la crème, rasage, tu non, vois. Moi j'en mets aussi un peu. Ah bah voilà. Mais pas autant que toi. Bah c'est pas, c'est bien, non, mais c'est pas négatif, hein, c'est bien. Ah bah voilà. Il faut prendre soin de toi. Ouais, soit juste que quand on a une demi-heure, quoi. Ouais, voilà. Mais non, mais c'était pas pour ça, c'est parce que je devais faire. Oui, bon. Caca, ouais. Il dit d'aller faire caca. Oui, t'as pris tranquille quoi. Caca, petite douche, petite crème. Vas-y, on va pas épiloguer. Donc Théo, parce que à la base, c'était le sujet de la discussion quand même. 16 sur 20. Théo, du coup, 16 sur 20. Très, quand même, voilà, un très très bon mois, même si bah, un petit peu dommage, tu perds ton titre d'élève du mois, mais on peut pas gagner tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, je pense que t'es bien au courant avec Lunari. Alors, sachant que du coup, tu as 9 jours d'entraînement d'ici la prochaine étape Open Tour, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais pas remonter un peu le main? Parce que, voilà, hein, pendant depuis le dernier conseil, t'as quand même fait un petit passage à 500 LP sur le main. Ouais, ça, après j'ai remonté, donc t'es remonté à 670, donc ça va. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, de ces 9 jours? En fait, ce que je voudrais faire, c'est m'entraîner à ping back mon jungle quand il fait de la merde. Donc, en gros, quand je vois que mon jungle est en train de troll, il faut que j'arrive à spam ping à lui dire qu'il fait de la merde de back. Ok. Donc, pour ça, je sais pas trop comment faire. Donc, t'es en train de dire que tu voudrais faire des duos avec Narcus? Ouais, écoutez, on va faire 20 games, peut-être 10 games de Harry pour un peu, confirmer la Harry et un peu de Vex peut-être aussi, ça pourrait être pas mal. Tu fais avec Harry? Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Il y a eu un patch là, mais au mid, il y a eu un buff. J'ai vu Swain. Mais j'ai essayé Swain, je pense, c'est un peu de la merde comme champion. Ouais. Il y a buff Kassa, donc peut-être faudrait essayer un peu Kassa. Hein. Ok. Et voilà. En te connaissant, je vais te dire 10 Vex, 10 Harry, 10 Kassadin. Même 12. En te connaissant, je vais faire 12. Ah, 10 Kassadin, peut-être pas. Ah, je peux te coacher sur Kassadin. En fait, t'as 9 jours.
Ah mais casse-tête, j'aime pas. En fait, je te rappelle que tu fais normalement je te rappelle que normalement en 7 jours tu fais plus de 120 games. Ouais, non mais en ce moment je chill un peu. Non mais casse-tête, chill un peu. Il a fait 80 games. Mais attends, mais il y a une extension sur WoW, non? Non, pas encore, ça a été annoncé pas encore. Par contre, tu si tu as eu des petits soucis dans sa maison, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il chill un petit peu. Hein? Je n'ai parlé de la dernière fois, j'étais en stream. Et en gros, j'avais oublié un robinet que j'avais laissé ouvert. C'est une blague. Et j'étais là, bon, je fais mon petit stream, je fais 2-3 games. Et je vais dans le salon pour me chercher à boire. Et là, je pose pied dans le salon et ça fait flop. Et je me rends compte qu'il y a une sorte de flaque d'eau dans tout mon appart. Du coup, j'ai leave ma game, j'ai cut le stream, j'ai coupé l'électricité chez moi et j'ai passé une heure et demie à éponger mon appart. Ça a mis très bien. Ok, non mais pourquoi pas. Ok, du coup on va pas passer. Ouais, plutôt sur 10, Divex, 10 Kassadin, 10 Harry. En vrai, 10 Kassadin ça fait beaucoup un peu. Divex, 10 Harry, 8 Kassadin. Peut-être 3-4 Kassadin peut-être. 3-4 okay, en fait, Kassadin, mais t'as pas envie de jouer en fait. Kassadin ça pète les couilles, le perso pète les couilles en fait. Et là t'es FK. Pourquoi il jouait Kassadin s'il veut pas le jouer? Oui, c'est vrai. Bah, c'est trop mal de Kassadin. J'étais tac une fois avec ta Vex, avec mon Kassadin, t'as fini en 0-5. 15 minutes de jeu. J'ai gagné la game. Oui, mais bon après t'avais un team gap quoi. J'ai gagné la game. Ouais, bah du coup, ça sert à rien de que je t'ajoute Kassadin. En vrai, j'aimerais bien juste faire quelques games histoire de tester, ouais. Tu vas voir ce que ça donne. Ah, 4 games Kassadin, 5 games. Ouais, 4 games Kassadin. 4 games Kassadin. 4 Kassadin. Histoire de faire le test. Et du coup, je te mets 12 Vex et 12 Harry. Ok, vas-y, ça va. Ça me va. Ça te fait ouais, 28 bois, c'est léger. Bois. Je me suis pas inquiet. De toute façon, Théo, je suis pas inquiet pour ton cas. C'est vraiment histoire de. Si on peut dire, je gagne des LP. Ouais. C'est plus dur quoi. Bah, c'est moi, plus ça, dur. Ça me va très bien ça. C'est plus dur. Ok, on va rester là-dessus. Très bien. Bonne soirée, tu partais sur une piste un peu dangereuse. Troisième meilleur élève de la classe ce mois-ci, ce n'est pas Wax. Mais putain Amiral. Jure Edge. Mais quoi? Yes. C'est Amiral. La honte. Amiral. Ah, je suis devant Wax, je suis bien content. C'est un bon Amiral qui fait un bon mois avec un bon 15 sur 20. 15 sur 20. Avec simplement un raté sur la dernière semaine. Pas celle de la GA, celle juste avant. Où bah, tu n'avais simplement pas rempli tes objectifs. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, tu devais jouer 3 junglers maximum. Tu en avais joué. Moi j'avais 9. Joué des ADC et tout. Donc, Ouais, mais ça, moi, je sais, je n'ai pas compté. Ah oui, ok. Mais, genre juste sur la jungle, tu avais joué 9 champions différents. Ok. C'était assez excessif, surtout en préparation GA. Mm-hmm. Ça, ce qui finalement. Oui. Ça s'est bien déroulé. Parce que ça m'a permis de voir quels étaient les champions les plus forts, les moins forts. Et au final, j'en ai déduit que bah, y avait juste Viego. Alors moi, Amiral, voilà, sur le jeu globalement, sur la semaine qui s'est passée, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, on a attiré mon attention sur un clip qui m'inquiète un peu à ton sujet. Ouais. Je vais laisser la classe découvrir le clip. C'est quoi question. Le clip? Ah bon, des bâtards. Tour de fenêtre. Tac. Peut-être pas là, peut-être pas là. Ah mais... De là, parfait. Bon, je suis pas tombé sur le bon truc. Lyon. League of Legends. C'est lui? Pas du tout, les unis sur League of Legends. Vous m'avez troll. Le champ Ignon. Champ. Pourquoi ça trouve pas? Ah tu vois, même toi tu l'avais pas. En fait, il y a pas de champ, gros. Y a pas de le fait que tu l'écrives, le champ ignon et que tu ne le dises en pas, plus, ça me fascine, genre. Moi, je te dis la vérité. Tu faisais pas exprès, l'amiral. Ma grosse non. Moi, non, mais je te dis la vérité, ça rappelle le clé de Manati qui joue à CS:GO, qui atomise la mère de son pote et qui ne se rend même pas compte qu'il l'a tué, genre. Et son mate l'insulte et Manati ne comprend pas, il rigole, et il pense que. Mais en fait, moi le mec il m'a posé la question, moi j'étais premier degré, tu sais, je lui réponds. Est-ce qu'il me demande si j'ai vu, parce que je crois qu'en gros, il y avait une série de questions en mode ah, t'as vu le changement de si, t'as vu les nouveaux skins de Viego et tout. Et donc le mec il me dit, t'as vu le champ Ignon? Et ben moi je lui dis. je lui dis non. Et donc après, tu sais, je vais regarder, classique, tu vois. Bon. Ouais, ce qui termine, c'est que du coup, tu as écrit le champ Ignon, et après t'allais le redire, mais il n'y a pas de champ. Mais parce qu'en fait, En fait, il faut que tu sois dans le mood. Ah, il y a un monde où il me troll. Moi, j'étais en mode, bah, il me pose réellement une question premier degré, donc je lui réponds, tu vois. Et je crois qu'en plus, il avait dit un truc du style, ouais, j'ai pas envie de te casser les coups parce que j'imagine qu'on te l'a déjà demandé plusieurs fois, mais t'as vu le champignon? Et donc il moi, était j'étais très en mode, fort, il était très fort. Ouais, j'étais en mode, ah, le pauvre, tu sais, il a dû demander plusieurs fois, personne lui a répondu. Voilà, moi, j'ai essayé d'être sympa, quoi. C'est... Le pauvre, il voilà. A dit. Hein. Ouais.
Non, voilà, ouais. Voilà. Donc un petit peu inquiet quand même pour voilà, tes capacités hors League of Legends. Mais c'est pas grave, du moment que tu te concentres sur le jeu, et pour l'instant ça se passe bien, parce que voilà, dans cette classe tu es en réussite, 15 sur 20, miracle. Merci. Pour moi. De bons objectifs. En plus, ça fait une bonne GA. Ah, merci. Vraiment, j'ai vu les games, c'était, du... c'était bien joué. Ok, merci, merci. T'as bien carry ton équipe, vraiment correct. Alors, 9 jours avant la prochaine étape Open Tour. 9 jours, ok, ouais. Qu'est-ce que tu as, toi, repéré de ton jeu? Qu'est-ce que tu voudrais travailler? J'ai repéré des trucs, mais je sais pas si on peut le dire comme ça. Parce que là, il y a du monde. Là, il y a du monde sur le stream, donc à mon avis, je préfère garder ça secret, quoi. Ok, d'accord, et de ce que tu peux te permettre d'entraîner de publiquement publiquement Bah, de toute façon, je m'entraîne déjà publiquement, en fait. Techniquement. D'accord. Donc, en vrai, les gens peuvent le voir. T'es en train de me dire qu'il faudrait que tu gagnes des LP, par exemple. Ouais, ça, c'est sympa, parce que, ça. Amiral, bon, 500 LP. Bon, 500 CLP. 500 CLP, c'est honnête, mais... C'est honnête, hein. C'est un peu bas, quoi. C'est un peu bas. Non, c'est le top du, c'est bah, le, du master, quand même. Je veux dire, pour l'instant, Odin et Wax, qui sont tous les deux en loose streak, sont même élo que toi, quoi. Ouais. Et Qatar, qui est actuellement stuck à 600. Donc, Ouais. Bah, en fait, je suis à 100 LP finalement. T'es sur l'average bas de la classe, enfin de ton équipe. Mmh. Et c'est sans compter Myrtus, parce que Myrtus a 900 LP. Bah, ouais, avec il y a 1000 LP. Myrtus. Il a eu 1000 LP après longtemps. Bon, je suis dans l'average quoi, je suis dans l'average de l'équipe quoi. Wax, il a quoi? Il a 400 LP. Ouais, non, moi c'est la catastrophe. Oui, mais ça le regarde. Bah, bien sûr que non. C'est-à-dire que son elo est. Genre, il est plus. Il est plus. Je suis en loose streak, mais je veux dire, normalement, je suis plus à 600 quoi. Oui, plus à 600 qu'à 400. Ok, du coup, Amiral, on va dire 506. 620. 9 jours. Pourquoi 620? Pourquoi 620. Pas 600? T'aimes pas les chiffres? Non, 620. 20. Ça fait 110 LP. Le problème, c'est que je gagne 16. Bah ouais, bah c'est donc pas pour mon arriver problème. À 20. C'est pas mon... De toute façon, en fait, mon choix est fait. Ah oui? Je t'ai ouvert une porte, tu l'as refermée, du coup, je fais le choix. Bah non, mais là, c'est bon, j'ai bien. Au final, ouais, c'est très bien, 620. 620. Bon. Allez. Ça pourrait être mieux. Super Amiral. Bon. Et bah voilà. Super, bah bon, je vous remercie. Et yes. Sois efficace dans tes games, là, je suis rien. Bon, ok, merci beaucoup. Très bon mois et. Qui sait, peut-être le mois prochain, meilleur bah, et peut-être, avec un peu de chance. Bah voilà, mais je vous remercie. Ciao, ciao, des bisous. Merci, bonne journée, Amir. Quatrième élève de la classe. C'est moi. C'est Wax. Wax, quatrième. C'est Wax, quatrième élève de la classe. Oh, le noublard. Wax qui a fait un mois plutôt correct. Ça dépend, pourquoi, ouais. Un peu en dents de scie, en fait. Première semaine, qui était un peu mitigée. Dernière semaine, un petit peu mitigée également. Mais c'est quoi là qu'on juge? C'est les devoirs qu'on a fait ou c'est ouais, les LP? Ouais, c'est par rapport aux devoirs. Ah ouais, c'est quand j'ai pas fait? Bah en fait, t'as une tendance souvent à être en mode ah, il me manque 3-4 games. Ouais, objectif. Mais c'est. J'ai combien? J'ai 14 ou ça? C'est oui, très bien, 14. 14, c'est très bien. Mais là, cette semaine, j'ai explosé l'objectif. Hein. J'espère que vous avez. Non, mais c'est juste que ça me fait marrer comment globalement ce qui se passe au conseil, ça ressemble vachement à ce que tu me racontais de toi à l'école, en fait. Qui fait toujours ses... suffisamment pour voilà. Pas te faire défoncer, tu passes tranquille et voilà, c'est ouais, pas non plus trop. Ouais, c'est marrant. En fait, le truc, c'est que faut... la technique, c'est de toujours être. Tu vois, de pas prendre l'aggro. Genre, tu vois, par exemple, il y a Odin et Narcus qui s'occupent de faire des merdes, du coup, c'est eux qui se font défoncer. Et après, t'as à côté, tu vois. Yes, sir. Bah, Narcus, il a fait 3 games, mais moi, il m'en manque 3. Tu vois, donc tu dis, bon. Il lui manque 3 games, c'est un peu chiant, mais vu que comparé à Narcus, ça va, tu vois. Donc je passe tranquille, c'est ma strat. Non, on en manque d'attention. Est-ce qu'on accepte les gens qui dénoncent comme ça, qui balancent, qui sont un peu. Non, mais c'est un exemple que je donnais. Ou... Bah, juste un exemple. Non, mais voilà. Je trouve ça un peu limite. C'est vrai que okay, je préfère qu'on soutienne dans cette case. Excusez-moi. Allez, personnellement, regarde, j'ai été cité, moi j'ai rien dit. Hein. Donc, c'est pas de ma faute, c'était une victime. Il a dit Odin et Narcus. Non, j'ai pas dit Odin. Ah bon? Dis par exemple Narcus. Ah bah je suis fou alors, je dois être fou. Ouais, Wax. Du coup, 4ème élève de la classe. Open Tour, t'as fait une bonne GA également. Ouais, je fais plutôt une bonne GA. Bah, tu vois, on s'y attendait un petit peu, tu t'es un peu fait attaquer au niveau de tes picks, il y a la Jinx qui était forcément très contestée. Ouais, c'était pas gênant. Mais tu t'es reposé. J'ai joué Xayah 3 jours avant la LAN et c'était très bien. Très belle Xayah, très belle, très bonne. Ouais, voilà. Du coup, Open Tour dans 9 jours, surtout qu'en plus vous n'aurez pas Qatar. Yes. Du coup, tu vas devoir être d'autant plus important pour l'équipe. Ouais. Parce que bon, si on devait compter sur Amiral pour Kai. Qu'est-ce que tu voudrais travailler d'ici là? Je sais rien, gros. Ah ouais, le truc Xayah est énerve, donc je pense que c'est plus jouable en létalité. Jinx s'est fait nerf aussi, je pense que c'est pas ouf. Jinx s'est fait up, mais je pense que c'est moyen. En vrai, j'en sais rien. Moi là, j'avais prévu de jouer pas mal MF notamment. J'ai trouvé un peu la nouvelle méta. Ouais. J'avais prévu de jouer pas mal MF. Peut-être tester aussi. Qatar, il veut que je joue Swain. Mais je pense peut-être tester Swain bot, mais faudrait que je vois. Je pense que ça peut être un pick qui peut être intéressant en AP. Et sinon, en vrai, Ezreal s'est fait légèrement up. Je pense aussi qu'il prend la value avec le nerf des AD Carry. Mm-hmm. Donc je pense actuellement. J'ai le chat propose quelque chose. Sont probablement les meilleurs ADC avec Jhin derrière. Oui. Le chat propose Aphelios en grande majorité. Bizarrement. Et Draven. Je peux traîner Aphelios si vous voulez.
Non mais c'est, si on pense que c'est facile, en soi, si on n'est pas sûr de la méta des carry, je peux simplement te mettre un objectif de faire des wins ou faire un certain nombre de games pour que juste t'aies du volume. Ouais, peut-être sinon juste faire des games. Moi en fait, je vais surtout jouer, je pense, MF Ezreal et après, il faut que je vois un peu ce qui se joue parce que je pense que Jinx c'est toujours jouable, même si c'est compliqué, mais je pense qu'en team ça ira. En solo queue, 50 HP le balance, c'est vraiment beaucoup. Et sinon, sur les autres ADC. J'avoue que je sais pas trop là. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on est sur une période là, il va falloir un petit peu essayer de d'estimer quelle direction prend la méta. Du coup, moi, je pense que je vais te dire, t'as 9 jours devant toi. Je vais te demander de faire 40 games en 9 jours. Ça me paraît pas excessif. Ouais, c'est largement. Voilà. Donc voilà, ça sera ton objectif. Ok. Pour ça, d'ici le prochain Open Tour, avec, voilà quand même cette dynamique d'essayer de comprendre un peu ce qu'est la méta. Ouais, bah évidemment. De toute façon, je vais jouer plus ou moins ce qui est fort. Est-ce que aussi juste rapidement, parce que c'est un peu particulier. Est-ce qu'on peut, si imaginons je vois que Swain peut être intéressant, est-ce qu'on peut tester les games que je ferai sur mon Smurf si je joue Swain? Ouais, bien sûr, on peut jouer sur mon Smurf. Okay. Bah, faudra juste que tu me donnes le nom du compte. Ok, bon après il est lié déjà au truc, mais je sais pas si les games sont track avec. Juste qu'en fait, si je traîne Swain, je le traîne sur mon Smurf. Donc, Bah, faudra juste. Okay. Mais oui, en tout cas, ça ne me dérange pas que tu fasses ces games sur son Smurf. Ok. Voilà. Très bien, Rox. Bah, c'est tout pour moi. Bah, c'est parfait. Je peux retourner avec la classe et bon courage pour cette semaine. Merci. Ensuite, du coup, cinquième élève de la classe n'est pas là aujourd'hui avec nous, parce qu'il s'agit de Sharky. Sharky qui, du coup, est cinquième élève de cette classe. J'ai rien branlé. Vous pensez, c'est qui le dernier là? Avec une moyenne de 12 sur 20. C'est quand même honorable, c'est mieux que le mois précédent. C'est mieux que le mois précédent. Il a juste eu une première semaine qui était compliquée. Bon, malheureusement, il n'est pas là avec nous parce qu'il est malade. Il va être malade encore quelques jours, mais voilà, les félicitations du jury pour Shark qui a fait un bon mois et qui honnêtement se donne. Oui, il a 12 et il a une félicitation, c'est encouragement, non? Encouragement, voilà, c'est ça que je pensais. Ah oui, non, mais c'est une très très bonne progression. Shark. Oui, Shark était dans les derniers. C'est une très très bonne progression, effectivement, de Shark. Je sais plus sa note. Shark, d'ailleurs, on lui envoie beaucoup de soutien d'ailleurs à Shark qui est effectivement un peu malade. Oui, il a quadruplé sa note, c'est une belle performance. Beaucoup de soutien à Sharky, ouais. Beaucoup de soutien à Sharky parce que le rétablissement est pas facile et quand il va revenir, il va devoir se taper Narcus dans son équipe. Donc, il a déjà réussi à esquiver une GH, je sais pas s'il arrivera à en esquiver d'autres comme grande force pour Sharky, donc forcément pas dehors vu qu'il est pas là. Alors directement, du coup, sixième élève de la classe, c'est Narcus. Le jazz, le gars, c'est nul. C'est possible. Bah, tu fais pas tes devoirs. Mais c'était quoi mes devoirs? C'était quoi mes devoirs? Là, c'est le conseil du mois. Du coup, c'est tous les devoirs du mois. C'est tous les devoirs, ouais. Si t'as fait tes devoirs une seule fois. D'accord, j'ai pas fait ça. Okay. Salut Narcus. Oh, il était pas là. Narcus, un mois compliqué. Une moyenne de, comme tu peux l'observer, 7 sur 20. Ça va, t'as déjà 20 en vrai. Ça va, ouais, au calme. T'as eu une première semaine mitigée, une seconde semaine catastrophique. L'exposé était très bien. Et une quatrième semaine catastrophique. Alors, je dois vous avouer que je vais vous expliquer pourquoi ma semaine était catastrophique. Ouais, le mois. En fait, 30 jours quand même. Le mois, au début du mois, j'avais un exposé, je me suis dit, ok. C'était à la fin du mois. Non, c'était au début du mois. Exposé ? Non, c'était il y a 3 semaines. Exposé. Non, c'était 3e semaine. C'est juste que là, on est sur. C'est un mois de conseil, mais du coup, c'est genre 40 jours. Ouais. Ah, l'excuse qui fonctionne plus là, du coup. Vite, Narcus, trouve une autre excuse. L'algorithme. Les ligues fermées, les chauves, allez, tu peux y arriver, champion, allez! Non, mais voilà, mais moi, en fait, j'avais tout mis dans mon exposé. Bon, on a vu qu'il y avait de la. Enfin, c'était n'est pas honnête et il y a eu de la discrimination. Du coup, ça m'a découragé et j'avais plus rien envie de faire, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Pour la troisième semaine. Moi, si je peux me permettre, pour la défense de Narcus, je pense qu'en gros, je trouve qu'il avait bien démarré, mais le problème, c'est que la dernière fois, il s'est fait attaquer, en fait, par un mec qui est chauve et belge. Et depuis, ça l'a vraiment traumatisé. Ah, le belge est chauve. Ouais, le belge est chauve, qui d'ailleurs, justement, était présent. Il l'a su même jusqu'à la G1. Hein. Donc, je pense que ça voit un petit peu le taux de harcèlement que ce belge chauve envers Narcus. Et je pense que c'est ça qui l'a un petit peu perturbé. Quoi. Et il est encore là, hein, d'ailleurs, hein, le belge chauve. Hein. C'est lui. C'est le fameux belge. Ah, ce fameux belge, pas facile. Mais bon, ça n'empêche que un mois catastrophique pour toi, Narcus, une certaine tendance à ne pas faire tes devoirs. Je les ai fait là. En fait, le truc, c'est que je l'ai fait. T'as juste fait ton exposé en vrai ce mois-ci. Non, je les ai fait, par exemple, voler bien. C'était pas voler bien. Quoi ? C'était Zach. Tu te souviens pas de ça ? Ah, mais en fait. Tu devais faire 15 games de Zach. Oui, mais c'est impossible à faire. Non, mais je t'explique ce qui s'est passé. Tu devais faire 15 games de Zach. Et c'était toi, t'étais en mode, ouais, faut que je traîne Zach, je pense que c'est bien pour l'équipe. T'as fait 3 games de Zach. T'étais en mode, ah ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. Et du coup, t'as décidé que c'était Volibear, mais tu l'as dit à personne. Et t'es arrivé au conseil, t'étais en mode, j'ai fait mes games.
Et j'étais en mode, mais tu devais jouer 5. Oui, mais en fait, le truc, c'est que. En fait, il y a la théorie et la pratique, tu vois. En gros, en théorie, tu vois, genre, ok, je vais faire deux games de Zac, moi ça me va, je traîne un nouveau champion. Le problème, c'est qu'en pratique, tu joues Zac avec des singes, tu ne peux pas gagner. Et du coup, il y a un moment où soit je deviens Marboule. Ouais. Soit bah, je joue un autre champion et je me suis dit, vas-y, je vais jouer Volibear. Ouais. Tu vois, par exemple, pour la GA. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ouais, mais tu le dis à personne. Ouais, mais bah, c'est pareil. En fait, moi, pour moi, j'ai toujours été comme ça en cours. Peu importe, le, tu vois, genre, le plus important, c'est le résultat, tu vois. Okay. Le résultat, c'était de jouer des nouveaux champions et je les ai faits. Peu importe quel chemin je parcours, tu vois. Et on s'en bat les couilles de la démonstration dans un truc de maths ou de français ou de trucs. Le plus important, c'est le maths, résultat, tu vois. Ça me rappelle ce que disait ton frère la dernière fois, Marcus, qui, était... qui disait que quand t'étais au collège et que lui était en prépa et que tu lui t'aidais pour ses maths et qu'il te faisait des démonstrations et tu disais que c'était faux et qu'il avait tort. Non, je disais pas, il avait c'est dingue, ah, c'est... Moi, c'est ce qu'il disait. En fait, après, moi, j'ai pas... Lui, il avait une façon, tu sais, très méta d'y aller, tu vois. Et moi, je le faisais en mode à ma façon. Okay. Et j'étais là en mode, bah ça, à ma façon, on trouve le même résultat, c'est bon. Lui, il était là en mode, non, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Et j'étais là en mode, bah nique. Nique la méta, quoi. T'as un méta slave, ton frère, c'est ça ? Ouais. Non, mais tu sais, pour trouver des formules et tout. Genre, tu sais, tu ouais, dois ouais, expliquer des trucs hein. Et tout. Moi, je faisais avec ma méthode, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mais... Et t'as eu combien, du coup ? Je sais plus. À chaque fois, les profs, ils me mettaient en mode, ah, le bon résultat, mais pas la mode méthode. Du coup, ils m'ont enlevé à chaque fois la moitié des points. Du coup, c'était chiant, quoi. Eh non mais voilà, comme pour Wax, hein, y a des choses qui se répètent dans la vie, Narcus c'est pareil, hein, tout simplement. Alors Narcus, quand même, j'ai un clip de ta part, un clip plutôt sympathique, on va pouvoir passer dessus, où justement, voilà, un petit peu train des choses en dehors de Fiddlesticks, ça marche pas trop mal, hein. Il y a la capuche, hein, c'est le 1v9 God, là. Et la musique épique, là, il y a la totale, hein. Ouais, et on entend même les boutons de quand il clique sur les sorts. Ah, c'est quand il traverse vraiment, là. Là, Là, j'attends qu'il saute, hop. Là, Dra, lui, même pas le temps de multi. Oh. Mec, ce qu'il a pris le pike. Il joue de contre des silver ou... Oh là là, ça c'est le OMG, RMS 9 God. OMG, Quora kill. Ça, c'est le RMS, c'est lui qui a carry la GR. La réaction assez épique. Hein, attention, les mains à des carry, fermez les yeux, ce que vous allez voir, c'est très moche. Oh, le pantin. La Kaisa, elle est silver at best, genre no flame, mais... C'est sur ton main sur ouais, c'est son main. Je vois, Master. Tu vois, la dernière fois que je jouais contre toi, j'étais atomisé, t'as rachit la game en plus. Bon. Si, t'as rachit la game la dernière fois que je jouais contre toi. Oh oui, non, mais d'accord. Vous êtes troll par toute ma team. Ouais, voilà, Narcus, passer un peu de temps loin de Fiddlestick, ça te fait du bien. De toute façon, tu ne peux plus jouer Fiddle en LAN en fait. Oh, ça casse les couilles. Fut encore un temps, il y avait des gens qui étaient en mode, tu sais, qui avaient encore un peu d'ego et qui étaient en mode, ouais, ben non, mais on va pas ban Fiddle, c'est un perso de mort, ouais, etc. Maintenant, les gens, ils ont plus problème d'ego en fait. Ils sont juste en mode, bon, de toute façon, si je joue pas Fiddle, il sait rien jouer. Tu sais qu'en plus, je me suis dit, bon, il y a Cobble qui joue beaucoup de Jinx et Jinx est fort. Je recrute un OTP Urgot top, ça va ban Urgot. Toutes les games, quasiment, ban Fiddle. Et 70% des games, bah, Shyvana. Pas marrant la vie. Et oui, il faut jouer d'autres choses, Narcus. Il faut jouer d'autres choses. Est-ce que tu me rejoins là-dessus sur le fait que d'ici le prochain Open Tour, tu as besoin de jouer des champions efficaces ? En fait, le problème que j'ai, c'est que j'aime des champions qui 1v9. Ouais. Et les champions, malheureusement, comme Volibear, Zac, Trundle, que je pourrais jouer, que j'ai joué à la GA, et je pense que je peux les jouer parce qu'ils sont vraiment débiles, ça 1v9 pas en team. Pourquoi tu joues pas Z, Talon et tout ? Z Talon, Gwen, en fait, ça c'est un pitié. C'est all back par tes doigts. En fait, Gwen, j'aimais bien. Talon. Y'a pas que Gwen. Genre Talon, Z. Ouais, Talon. En vrai, t'avais un Viego, je pourrais. Enfin. Viego, c'était. Ouais, mais Viego, je suis un peu bancal en fait. Zhao. En fait, Viego, j'aime pas trop le champion, les mécaniques du champion, tu vois. Ah ouais ? Ça va. En fait, c'est. C'est pas smoothie. En fait, j'aime bien les champions qui clean facilement les Waze. Les non mais il veut un champion qui clean les camps de jungle sans avoir à kite le camp de jungle. Ah. Ouais, t'es où, tu vois, genre ça fait 11 saisons qu'il ne kite pas. Le camp de jungle. T'appuies sur Z2, c'est fini. Ok, je comprends ce que tu veux. Vegard, tu mets ZQ, c'est fini. Bon, Vegard, non. La flemme de Kirsey, c'est quoi, mais c'est une dinguerie. C'est pas drôle en fait. Warwick. Bah non, mais moi je réfléchis. Non, mais c'est bien. Non, mais attendez, réfléchissons deux secondes. Faut que tu joues. On va dire que tu fais 5 games par jour. Ah, mais ce qui est quand même petit. Tu as 5 games par jour. Un jungle doit faire à peu près 25-30 fois son camp. Si tu fais 30 par game, hein, je pense. 25. Ouais. Du coup, un laner il tue un milliard de minions. Non, mais écoute. Peut-être aller 20 fois. Si tu mets 10 secondes à faire ton camp et que c'est chiant, tu fais 10 fois 20. x5 par jour,
fois 360. Imagine le temps que tu te fais chier à faire tes camps. Alors que tu vois, quand je vais faire avec Shyvana, moi ça m'amuse, tu vois. Bah, tu peux les optimiser après avec Viego, genre typiquement. Ouais, mais c'est... voilà, typiquement, tu peux les optimiser. Moi, c'est pas ça, tu vois. Moi, j'ai envie d'avoir du plaisir immédiat. J'ai pas envie que tu puisses les optimiser et te casser les couilles, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux, okay. Et en voilà, et par exemple, quand je vous irai à Jungle, je suis trop heureux de faire les camps. Bah, joue Shaco. Par exemple, il y avoir des. Shaco, tu vois, je suis heureux de faire les camps. Le retour. Tu peux jouer Kane. Le problème, c'est que Mamadou Shaco AP. Je joue Kane. Kane, c'est hyper sympa. Oui, j'avoue, Kane, c'est trop bien. Kane, j'avoue, j'ai jamais trop testé, mais je pense que c'est un peu de la merde en team aussi. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Après, celui de Chap avait un bon win rate, non? Compétitif. Ouais, mais il me semble que l'avantage de Kane, je crois, c'est que en gros, plus la game dure, si je dis pas le bêtise, plus au moment où en gros tu vas récupérer ta forme tard, bah t'auras juste à faire un kill. Genre 15 minutes, si t'as pas ta forme, si tu fais un kill, tu la récupères direct. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Enfin voilà. Du coup, on va où là? Sur les 9 jours qui arrivent, sur cet espace qui nous éloigne de la prochaine étape Open Tour. Je crois qu'on va nulle part. Hein. Non, en vrai, en fait, là, le truc, c'est que j'ai beaucoup perdu en LP. Du coup, je voudrais juste remonter en LP. Je pense que je vais jouer fidèle Shyvana tout le temps. Et puis pour et la GA, on verra. Enfin, pour l'Open Tour, on verra. Ouais, moi, ça me va. C'est vrai que qu'en termes de LP, Narcus, c'est. Tu es loin, loin, loin. Non, mais no joke. Attends, dernier, est-ce qu'on peut regarder les trois dernières games que j'ai faites? Ah, attends, on va déjà regarder, on va déjà regarder les lots de la classe. Première étape. Voilà, là, ici, là, ça, c'est, là en gris, c'est Narcus. Oui, il y a un moment, il a 40 LP. Ça se voit. Ensuite, on a Shark à 200 LP, qui, comme vous le voyez, n'a pas joué depuis 10 jours parce qu'il est malade. Ensuite, Wax qui est en pure losing streak. Ah, c'est l'algorithme, moi, je peux rien faire. Odin qui fait genre 2 games par jour maximum. Quoi? Amiral juste au-dessus. Qatar qui stagne un peu en ce moment. Ouais. Et ensuite, il y a Théo qui remonte de. Moi, j'ai une question pour Narcus. Là, en ce moment, j'ai l'algorithme qui fait une win, une lose. C'est quoi ton algorithme? J'ai pas de win streak ou de lose streak. C'est l'algorithme neutre. En fait, quand tu fais deux wins, ça va être positif, deux loses, ça va être négatif, et une win, une lose, ça va être négatif. Là, tu trolls. Qatar est bête. Non, c'est bon, on va repartir. Alors, du coup, tu voulais qu'on regarde des games, Narcus. Non, non, juste, mais en fait, hier, je me suis dit, vas-y, je vais rejoindre un peu à LoL, parce que là, en ce moment, j'étais sur Rust et tout. J'ai fait 3 games, no joke, c'est impossible de jouer, genre, vraiment. Bah, on peut regarder les games. Hein. Alors ici, donc, Shyvana, 2-8-6. Ah mec, ouais, c'est... 2-8-6, le Yona 9-3. Pas beaucoup de dégâts, hein, par... Oh, le jungle en face, c'est MVP, tiens. Quel hasard. Alors... Non, mais c'est parce que les laners ont décidé de mourir mon sur Yone, les gants. No joke, mon Yone est mort. Level 1, level 2, level 3. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah, mais c'est que ça, c'est Yone, c'est l'algorithme. L'algorithme donc, ouais, c'est compliqué. C'est du 0-10, hein, il est capable de ce genre de performance. Donc, 2-8-6. Alors là, la game de Veigar, 12-6-4. Bon, tu étais. Bon, bah, t'es même pas si. Ah, mais il avait encore un Yone. Il était first damage, quand même. Hein. Ouais, non, mais no joke, je crois que mon top était à. Donc, comment la Qiyana peut être mieux classée que toi? Genre, elle finit en 10-13. Non, mais le classement. En fait, les gens qui regardent l'OPGG, le classement en mode oh, j'ai été ace, bah, en fait, sont des gens qui croient que, par exemple, Sardoche est très fort au jeu. Tu vois. C'est, non, mais c'est on en est dans la même veine. C'est juste que c'est étonnant. Je suis curieux, c'est un rapport statistique quand même. Tu vois. Les gens sont très bêtes. Ah oui, mais tu wardes pas aussi. Bah, après, je joue Veigar, donc. Ouais, donc il a pas de trinket. Pas de rapport. Bah, non, mais je suis en blue trinket à 15 minutes et ça ward peu, tu vois. Quoi, mais c'est comme moi, avant 15 minutes, c'est 4 tous les ADC, tu vois. Bonnes stats. T'es à des carry, donc c'est comme si tu jouais n'importe quel ADC. Bah non, que j'ai une question, Narcus. Tu penses que tu ward beaucoup? Bon, ouais, ça va. En vrai, ça va. Tu t'es amélioré pas, parce que avant, il y a une époque, le moment où ils ont sorti les trinkets jaunes, pendant 2 ans, tu posais pas tes trinkets, t'avais 0 score de jeu en 10 minutes. Pas vrai. Ah ouais, non, je donc, ouais, vous faut regagner des LP, t'es à 40. Je crois que tu avais filé maladie. On peut se dire 200 LP sans trop sourciller. Ouais, 200 LP, je l'aurais pas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, je me fais 40 parce que je me hype et je me dis oui. Tu vois, genre là, en vrai, je me dis 200 LP, c'est weak parce que les games sont trop simples à gagner et tout. Le problème, c'est qu'au bout de 2 games, je joue avec des Yone fils de pute comme l'autre à 0,9 et du coup, je n'ai plus envie de jouer en fait. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai une note de merde en fait. Bah oui. Moi, je suis là et les exigences sont là. Bah oui. Bah oui. Bah. Non, je pense qu'un 120 LP, c'est bien. 120, mais non, c'est de la merde, vous 80 LP en 9 jours. Bah, ma ok, 150. 150, allez, 150, moi ça me va, 150 LP. Et vraiment, si t'y arrives pas, c'est très cringe, Narcus. Hein. En fait, d'accord avec moi quand même. En fait, sur le papier, oui. Oui. Mais surtout dans mes plus, games, non. En plus, sur les 9 prochains jours, y a rien. Y a rien, t'as pas de gros stream, t'as pas de gros trucs. Après, si, il est un peu rust en ce moment en fait. En gros, y a un serveur rust et du coup, c'est ouvert que de, je crois, c'est quoi, 21h-5h, je crois, Narcus. Ouais. Du coup, bah, pareil pour moi. Il fait que jouer. Ah oui, non, Amiral, ouais. Oh, Amiral est boosted sur Rush, j'ai jamais vu ça.
Ouais, mais pareil pour moi, parce que du coup, je dois quand même jouer avec eux. En fait, ouais, c'est vrai que. Bah non, c'est pas grave. Ouais, mais que je crois que. Ah ouais, il y a eu un changement d'équipe dans la line-up. Non, je crois qu'ils veulent plus jouer avec toi là. Ah ouais, j'avais cru qu'ils veulent plus jouer. Amira, c'est. Allez, ciao. Allez. Non, c'est en vrai. Donc 150 LP Narcus, je compte sur toi. Ouais, tu peux retourner à ta place. Ok. Dernier élève de la classe. C'est le what? Dernier élève de. C'est le Joss. C'est le Joss. Le what? Sérieux, j'ai honte. Attends, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours une histoire d'immunité pour le plus élo de la classe? Rappelle-moi. Non. Enfin, toi, tu gardes ton immunité. Mais pas sûr. Une deuxième, là? Non. Pourquoi t'en stacker? Pourquoi t'en aurais une deuxième? Parce que je suis le plus élo cette année-ci. Non, mais c'était quand on avait fait une course à l'élo. Ah, non, on n'a pas fait de course à l'élo, là. Okay. Ouais, c'est spécifique. Toi. Là, je et c'est vrai que, à ne pas oublier qu'également, Qatar et Wax ont une immunité individuelle, grâce à leur exposé. Non. Non, bah, Narcus, donc déjà ils sont deux pour le faire. Après objectivement tout le monde a dit qu'il était moins bien. Ils ont c'est basé sur des chiffres. Ça s'est joué à 5% le vote et ils ont une double immunité. Non, on s'est basé sur des chiffres c'est scientifiques. Trop, genre. Et en plus leur exposé était. Ils ont même pas compris leur propre exposé. J'ai parlé avec Monsieur le Random, il m'a dit oui, tu disais de la merde et tout. Non. C'est l'inverse. On a dit de la merde, mais ça ne changeait rien. Ah donc Narcus, c'est bon, on va pas en reparler encore. Je veux réexpliquer, mais. Mais il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais parce qu'il n'a pas d'argument. Ce contre-exposé. Il a la flemme en fait. Mais c'est pas que j'ai la flemme, c'est que. En fait, pas d'argument. C'est beaucoup de. C'est que c'est beaucoup de boulot. Donc, en fait, si tu veux vraiment bien le faire, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut chercher sur beaucoup de games. Moi, ouais, ça, bah, nous, c'était 8500. Il faut chercher les bons trucs. Non, mais toi, c'était de la merde. T'as parce pris que des streamers. Qui joue pas le même rôle au même elo et tu compares bah, c'est le trucs principe qui sont pas l'algorithme ne marche pas pour tous les rôles du coup mais non, c'est tu ne l'as jamais dit je veux dire le principe de l'algo c'est que c'est pas t'as pas un algo si t'es top un algo si t'es jungle c'est un algo pour tout le monde gros ok donc non c'est nouveau mais non mais c'est en gros moi j'ai pas le patch tu disais en mode des tomates c'est pareil que des bananes et on va les comparer sur des trucs en mode quelle est la couleur. Ouais, on passe sur la boucle, c'est fou. Hein. Rien compris, mais mec, la boucle, elle traverse toutes les émissions, du pouce café au conseil. Continuons avec le Joss, continuons avec le Joss. J'ai pas trop compris là, avec les tomates. Alors le Joss, un mois vraiment compliqué, parce que t'as réussi à faire tes devoirs qu'une seule semaine, c'était le jour de l'exposé. Ah, ok. Ce qui est un peu compliqué quand même, notamment avec une première semaine assez catastrophique. C'est pas pour rien que du coup tu as cette moyenne de 5. Très peu, c'est le quart des points. Hein. C'est vrai que c'est un peu bas quand même. Voilà, Audin, il va falloir te mettre à faire tes devoirs. Quoi, mais cette semaine-là, j'ai fait, non ? C'était quoi l'objectif ? 20 games ? L'objectif, c'était 20 games, oui. Mais bon, bah, c'est la seule semaine sur laquelle tu as fait tes devoirs. Bah non, regarde, exposé plus cette semaine. Oui. Ça fait deux, du coup. Ouais, mais c'est en gros, cette semaine-là, je ne l'ai même pas compté. Ah, parce d'accord. Tout le monde a réussi parce que vous ayez tous un objectif. Ouais, c'est un vrai. Peu, c'est vrai. Voilà, okay, d'accord. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien que tu voilà, tu aies fait l'essai. J'essaie de gratter. Voilà, tu te souvenais de ton objectif cette semaine, c'est déjà pas mal. Ouais, t'arrives pas tout le temps. Ok. Alors le Joss. Ouais, c'est vrai que c'est honteux. Le Joss, voilà, moins compliqué. Il va falloir un petit peu relever le niveau, tu vois, parce que tu vas pas rester un petit peu dans l'ombre de ton équipe et de ta classe indéfiniment. On a 9 jours jusqu'à la prochaine étape Open Tour. Vous n'allez pas avoir votre top laner. Il va falloir un petit peu assurer. J'ai vu que t'as quand même fait une bonne GA. Ouais, on a bien joué. C'était cool. Solide. En soi, j'ai pas beaucoup de points, mais en équipe, on joue pas trop mal. Je trouve. Enfin, en tout cas, on joue mieux qu'on jouait avant, donc c'est cool. C'est mieux déjà. Je suis d'accord. Vous avez fait une très bonne GA, des très bonnes rondes suisses. Alors toi, sur ces 9 jours, qu'est-ce que tu voudrais faire de ces 9 jours d'ici la prochaine étape Open Tour En vrai, il y a pas trop de champions que je peux train. Ouais. À part si l'équipe veut, mais bon, je pense pas que c'est. En vrai, le mieux, ce serait que je regagne des points, que je remonte vers 600, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, que je remonte GM, je pense que c'est bien. Parce que là, je suis à 400. Enfin, j'étais à 550 il y a encore hier. J'ai repassé à 500 là. J'ai fait full lose hier en stream. Du coup, je suis vers 450. En vrai, je peux remonter GM. Je pense que c'est faisable en 9 jours. GM, c'est combien de LP ? 580, un truc comme ça. Ouais, dans ces eaux-là. Ok, bah, vas-y, bah, moi, ça me va. Un petit 580 LP pour le Joss. Ça me paraît cohérent. Tu en es capable en plus. Donc voilà, essaye de t'y tenir. Ouais. Et puis voilà, moi, ça sera déjà très bien. Et je voilà, essaye de donner du rythme un petit peu sur ce mois. De vraiment te donner. Parce que bon là, on dirait un gros loser. On dirait la réunion parents prof. Ouais, là c'est un peu compliqué. Odin. Ouais. Bon vas-y. Sinon, clip. Sinon tu vas finir comme ton collègue Sakor. Ah, un petit clip sympa de toi. Qui finit un peu bizarrement, mais t'es un élève particulier. Ouais, ça parle. Oh les movements. Allez beau celui-là. Allez moi. J'arrive. Oh oui la roue. La roue peut-être. Ouais, ça part. Oh, c'est le mauvais clip en fait. Ce clip commence trop tard. Ouais, ouais. Allez, clip, j'arrive. Du bon kiting. Ah, bon. Ouais, t'es un fan, Qatar, ouais. Un ok. Fan. Bon, vas-y, on fait ça. J'aime.
C'est une bonne prep. Donc voilà, GM d'ici l'Open Tour. Parce que voilà, il va falloir que tu portes ton équipe. Alors du coup, tu peux retourner à ta place. Merci d'avoir été là. Alors on arrive sur la fin de ce conseil. Et notamment, étant le conseil mensuel, ce conseil amène aussi tout un lot de sanctions pour les élèves qui ont tout simplement échoué. Qui sont passés complètement à côté de leur mois. Et écoute bien Marcus, que tu vas courir. Un petit peu de matériel, donc je vous demande d'attendre un petit peu. Oula, c'est Marcus avant le conseil. Il c'est la punition là, le geste. Qui savait qu'il avait pas fait voir. Il a été volé par. Je veux pas, je veux pas. Il a dit un petit peu de matériel. Là, il faudrait s'inquiéter. Tu vas ramer là. Il y a un rameur. Il y a quoi là? Moi, il y a un tapis de course. Il y a un vélo de course. Moi, je sais et ça fait très très peur. Ah ouais? Non, le fais pas peur, Narcus, il va pas vouloir le faire. Je ne le ferai pas, c'est un truc, je le dis là, si c'est un truc. Quoi ? Vraiment, c'est une dinguerie là. Mais non ! Attends, non, je mets dedans. Je fais pas de truc. Narcus, joue le jeu là. Viens, attends, je te le mets. Non, mais là, ça a été un truc chelou. C'est de la boue. Vous n'allez pas faire de trucs bizarres, je vous promets. C'est maintenant. Le showmatch est annulé. Vous aviez un showmatch Royal, le showmatch est annulé. Non, c'est une blague. Le chômage est annulé. Le chômage est annulé. C'est annulé. Amiral, tu peux mettre le truc. Ouais, mais ça a été. Non, c'est réellement annulé. Alors, je vais vous expliquer. J'ai annulé tout à l'heure. C'est excitant, ta mère. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Allez, Narcus, là, c'est excitant. Le Joss et Narcus vont avoir les yeux bandés. Et vous allez avoir une carte de la région. Vous allez avoir une carte, pas de la région, une carte du département. Et vous allez devoir lancer des fléchettes sur cette carte. L'endroit sur lequel cette fléchette tombe, vous allez être déposé là-bas et vous allez devoir revenir aux locaux sans GPS par vos propres moyens. Non mais je ne fais pas ça en fait. Ah c'est une belle carte. Attends, mais vous voulez faire ça ce soir là? C'est avant des games de Zach. Vous voulez faire ça ce soir? Ce soir, Narcus. Mais non mais je dois rentrer chez moi. Oui, il faut que tu rentres chez toi. Non mais vraiment je dois rentrer chez moi là. Bah, il faudra qu'un quelqu'un rentre chez moi. Ça, c'est une belle nouvelle. Jusqu'à je rentrerai chez toi si tu veux. Voilà. Donc, on a une carte de la région si tu veux, juste je là. De ta femme, Narcus. Non, mais. Ouais, bah, il faut vraiment que tu rentres chez moi. On rentrera chez toi. Attendez, mais. Attends, t'inquiète, Narcus, il pourra gérer ça, quoi. Tiens, ne panique pas, Narcus. Ne panique pas, c'est moi. Arrête. Oui. Ok. Celui qui met la flèche. Oui, là, ok, Narcus. Là, c'est le Joss. Avance, t'as le Joss là. Ça a le Joss. On peut avoir une petite estimation de, par exemple, les extrémités, à combien de temps est-ce que c'est à peu près? Les extrémités, mais... c'est très loin. C'est genre à combien de temps? C'est très très loin, c'est vraiment. C'est au nord. C'est au nord. Non, en gros, dis-toi que genre. Si t'es genre. C'est au nord de Tours. Là, t'as 2 heures à pied. Genre. Attends, mais tout seul. Genre là, t'as 2 heures à pied. Non, vous êtes... Ah ouais? Genre si t'es là, c'est loose, tu vois. Mais va falloir bien viser là. Oui. Ouais, ah, bah. Moi j'ai juste un problème. Mais non, mais vous télé... êtes des marboules. Allez, viens, Narcus. Viens par ici. Tourne-toi. Voilà, parfait. Bah, déplace-le. Oui, c'est y aller. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est fine, la télé. Oh. Oui, bah oui, c'est bon, ça c'est. Ah, il va falloir déplacer la cam, Diego. On va mettre le plan, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Visez bien. Essayez de viser, en fait, au centre. Amaury qui pense au matériel avant tout. Essayez de viser au centre. On va exploser, éviter. C'est moi. Ah. Oui. Alors, le Joss. Attends, on va d'abord placer le Joss. Vas-y, décale-toi, le Joss, viens. Oh, c'est qui ça? Un peu, voilà, parfait. Tourne-toi vers la droite. Stop. Ok, nickel. Là, t'es parfaitement placé. Alors, dis-toi que là, ce que tu dois viser, c'est globalement. En vrai, est-ce qu'il peut pas regarder avant de viser? Ouais. Il regarde. Si, je pense. Ah oui, je pense. Tu regardes. Vas-y, regarde. Je pense. Tu regardes. Ok. Tu. Attends, mais non, mais. Attends. Quoi? Non, mais vous êtes des marboules. Non, mais attends. Entre là et là, c'est déjà une demi-heure à pied. Oui. Si je vais là, je suis mort. Mais vous êtes des marboules. Vise bien. Ils sont au même endroit ou ils sont. Non, mais même. Ouais. Non, ils sont ensemble. Ils ont le droit à une fléchette chacun. Exactement. En fait, ils vont chacun tirer une fléchette et la fléchette la plus proche, c'est la fléchette qui décidera. Et je compte de... sur un viewer de venir me chercher. Je offrirai 3 McDo. 4 Happy Meal. Allez, le Joss, premier lancé, t'as repéré la cible, c'est bon, mentalement. Tu veux un micro? Je vais faire une technique de fou. Putain, mais ma femme va me détruire. Oui, non, mais attends, là, il se visualise faire son lancer. Oui, vous pouvez pas regarder où vous lancez votre fléchette, hein, si jamais. J'ai besoin de déposer, mais il y a ma femme. Oh là là, mais j'ai pas rangé en plus. Oh, mais c'est tellement dur, je suis muté ou pas là? Mais pourquoi je vais pas être avec le Joss? Vous lancez, vous prenez la même cible, vous arrivez au même endroit. De quoi? Vous allez au même endroit. Allez, juste, vous lancez deux fléchettes, vous prenez la plus proche des deux. Attends, parce qu'il y a un trou. Mais va déjà falloir réussir à toucher le truc. Hein. Ouais. Attends. Eh, vise bien.
Tu vois toi? Bah là je vois plus là. Frère, j'ai trop. Attends, mais ah ouais, mais là j'oublie là. Je suis tétanisé. Mais on pourra enlever la fléchette si, c'est pas grave. Oh, j'ai pas envie. Vas-y frérot. Attends, mais on est ensemble. C'est clair. Oui, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Arrivé à Sainte-Maure de Touraine, là, je le sens. J'y vais. Tu ou pas? Allez. Ça va, en vrai, t'es un peu loin, mais pas trop. En vrai, ça va. C'est que 2h30. Quoi? C'est que 2h30, bon, ça. C'est bon, on peut l'enlever? Non, mais la dernière fois. Ce Narcus va devoir regarder. La semaine dernière, je suis allé en bois, c'était déjà à 3 quarts d'heure. C'est bon? Mais vous êtes des marboules, hein. Attends, vous savez où on va et non, c'est pas. Eh, tu sais quoi? Je vais organiser un truc pour les gens qui ont décidé ça et mon émission. Ça va être des trucs sadomaso, je m'en bats les couilles. Vous allez finir en slip avec une plume dans le cul, vous allez bégayer. J'en ai rien à battre. Mais je vais faire, bah non, c'est le jeu, les gars. Fallait le meilleur. Tiens, Naris, prends la fléchette. Tu peux regarder la map si tu veux. Si tu veux revoir ton lancer. Comment je lance? Attends. Ouais, vite fait. Ok. Après, ils vont pas rentrer, non? Alors, et attention, le lancer. Y'a que toi? Ouais, bon, faut que tu te dépasses, Naris. C'est pas que Eh bah, ben, je crois que. C'est là, c'est. CFF. C'est pas grave, c'est pas grave, ça sera le lancer du Joss. Oh, oui, je viens avec vous en plus. Et c'est. Oui. Attends. Mais c'est loin, non? C'est bon, vous pouvez. C'est un peu loin, quoi. C'est un peu attends, loin. Mais rentre, comment... Attends, mais là, du coup, pendant. Genre, une demi-heure, on va faire de la voiture, là? Ah, je pense, en voiture, ça va être une demi-heure. Mais vous êtes des marboules. Non, mais qui a eu l'idée de ça? Ça, c'est Baptiste. C'est bon, on prend Uber, on s'en bat. Tu peux pas faire ça. Bon, du coup, c'est ton idée, j'explique un petit peu le principe. On peut enlever le mandat, le temps? Non. Okay. Donc, en fait, là, vous allez partir, ça c'est tout de suite. Donc, vous allez partir en voiture avec Kaelan qui va vous emmener. Il y aura Pouka, évidemment, tout ça sera streamé en live IRL. Pouka est déjà présent avec une petite lumière. Pouka, c'est l'idée de qui? Moi. Donc, ils vont partir direct, ils vont être lâchés. Donc, évidemment, ils ont des masques, donc ils ne seront pas pour éviter de se repérer. Et tout ça sera en stream. Et le but étant évidemment de revenir aux locaux déjà vivants. Et ensuite, si possible, avant que ce soir, quoi. On peut leur dire qu'ils n'ont pas de téléphone. Et vous aurez pas de téléphone, pas de chat, pas de moyen de vous repérer. Et le but, c'est évidemment de rentrer en version c'est GeoGuessr, quoi. Ok, je compte maintenant tant que j'ai un micro. Venez me chercher. Ah, mais le micro. 4 ah, donc, sur ce, écoutez, je pense que ça peut y aller, là, non? Il faut le porte-monnaie de Pouka. 5 abîmés, on chez moi. On peut swap, je pense, déjà sur le stream IRL. On va passer sur le backpack. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on les guide. Ouais, il faut que je les guide. Attends, là, est-ce que tu peux pas là? Là, tu peux l'enlever, je pense. Mais non, il faut que j'appelle ma femme avant. Vous pouvez regarder devant vous, oui. Ouais. Dans la voiture, il faudrait remettre le masque. Vous allez remettre le bandeau dans la voiture, c'est ok. Ah, tiens, ça promet. Bon, je vais juste en poser. Attends, Odin, tiens, tu peux donner ça à Pouka? Bonne chance. Donc voilà. Donc là, en gros, ils vont juste sortir. Donc je vous explique, je réexplique le concept, mais en fait, ils sont lâchés du coup à un endroit où ils ont tiré. Je m'assois. Ouais. Un endroit où ils ont tiré dans Tours.